Le ministre des Enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des Enseignements secondaires, sous la supervision du professeur Nalova Lyonga, en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la CAMTEL, la CIRTV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnel auquel vous êtes habitué. Dans le mode d'enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme! La solution du Cameroun contre le Covid-19 et au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des Enseignements secondaires. Bentornati a questa sessione di educazione a distanza. Bon retour à cette session d'éducation à distance. Sono la professoressa Du Otu Iris, la vostra insegnante d'italiano per questo percorso. Je suis Madame Du Otu Iris, votre enseignante d'italien pour ce parcours. Ragazzi, andiamo avanti con lo studio del primo modulo del nostro programma di lingua italiana per la classe di quatrième. Alors les amis, continuons avec l'étude du premier module de notre programme d'italien pour la classe de quatrième. Alors, prima di cominciare, facciamo un ripasso della lezione precedente. Alors, avant de continuer, faisons d'abord une révision de notre leçon précédente. Che cosa abbiamo visto l'ultima volta? Qu'avons-nous vu la dernière fois, les amis? Sì, bene. Abbiamo fatto una lezione sugli atti comunicativi. Nous avons fait notre première leçon sur les actes de communication. Bene, abbiamo visto come salutare quando si arriva. Nous avons vu ensemble comment saluer lorsqu'on arrive. Come si saluta quando si arriva? Comment est-ce qu'on salue alors lorsqu'on arrive? Bene, per salutare quando si arriva, si dice ciao o buongiorno. Bene, pour saluer lorsqu'on arrive, on dit ciao ou buongiorno. Si, e per prendere congedo, come si saluta? E lorsqu'on s'en va, come est-ce qu'on salue? Sì, per prendere congedo, quando si parte, no? Si dice ciao o arrivederci. Bene, pour saluer lorsqu'on s'en va, pour prendre congé, on dit ciao ou arrivederci. Bene, ragazzi. Che cosa abbiamo visto d'altro? Qu'avons-nous vu d'autre? Sì, come presentarsi. Comment se présenter? In situazioni informali e in situazioni formali. Nous avons également vu comment se présenter dans des situations informelles entre amis. Et dans des situations formelles entre un supérieur et moi, va bene? Come si presenta con un amico? Come presentarsi? Come ti chiami? Comment t'appelles-tu?
Sono Benata. Et tu? Je suis Benata. Et toi? Mi chiamo Ada. Je m'appelle Ada. Ciao. Arrivederci. Ça, c'est dans une situation informelle. Come ti chiami? Sono Ada. E lei come si chiama? Signor Madi. Arrivederla. Arrivederci. In una situazione formale, con un superiore, no? E lei come si chiama? Arrivederla a un superiore, ma arrivederci a un amico. Molto bene, ragazzi, siete bravi. C'era un compito, no? On avait laissé un devoir. Adesso facciamo la correzione del compito. Maintenant, passons à la correzione de notre devoir. Leggiamo. Completa il dialogo tra Samba, Nafi e il professore Wafo con le parole seguenti. Complète le dialogue entre Samba, Nafi et le professeur Wafo avec les mots suivants. Arrivederla. Sono. Buongiorno. Mi chiamo. Come si chiama? Completiamo insieme, ragazzi. Ciao. Ciao. Mi chiamo Nafi. E tu, come ti chiami? Salut, je m'appelle Nafi. E toi, comment t'appelles-tu? Bene, continuiamo. Sono Samba. Piacere. Je suis Samba. Enchanté. Ciao, ragazzi. Buongiorno, professore. Salut, les amis. Bonjour, monsieur. E lei, professore, come si chiama? E vous, monsieur, comment vous appelez-vous? Bene. Professore Wafo. Arrivederci. Arrivederla, professore. Bene, ragazzi. Bene. Tam tam amote tam zabike, mane tambia niñane njobiaya. Continuiamo. Oggi facciamo una lezione di vocabolario. Aujourd'hui, nous voyons ensemble une leçon de vocabulaire. Che cosa vediamo nella lezione di oggi? Vediamo il vocabolario relativo ai saluti. I diversi saluti in italiano. Les différents modes de salutation en italien. I periodi o momenti del giorno. Les périodes ou moments de la journée. Les formules di cortesia relative alle presentazioni. Les formules de politesse relatives aux présentations. Lorsqu'on rencontre quelqu'un, qu'est-ce qu'on dit par politesse? Bene. E per finire, faremo un esercizio e vi lascerò con un compito. E per terminare, nous ferons un esercice d'application. E je vous laisserai avec un devoir. Ok? Bene. Quali sono gli obiettivi e le competenze mirati? Quels sont alors les objectifs et les compétences visées à la fin de cette leçon de vocabulaire? La lezione di oggi mira a sviluppare la competenza lessicale degli apprendenti, fornendo loro un vocabolario
relativo ai saluti, ai periodi corrispondenti della giornata e all'espressione di cortesia. La leçon d'aujourd'hui vise à développer chez les apprenants, chez vous, la compétence lexicale, en vous fournissant un vocabulaire diversifié quant aux salutations, aux différentes salutations en italien, aux différents moments ou périodes de la journée et à l'expression de politesse lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la toute première fois. Va bene? Ok. Adesso vediamo insieme come salutare quando si arriva. Oltre a ciao e buongiorno, en dehors de ciao e buongiorno, comment est-ce qu'on salue lorsqu'on arrive? Voyons d'autres formes de salutation. Per salutare quando si arriva, si dice buongiorno. Pour saluer à l'arrivée, on dit buongiorno, bonjour. Buondì, buondì, bonjour. Ciao, salut. Salve, salve, salut. Buon pomeriggio, buon pomeriggio. Bon après-midi. Buonasera. Buonasera. Bonsoir. Quando si arriva, lorsqu'on arrive, on peut saluer de ces manières-là. Ok? Per prendere congedo, si dice. Maintenant, pour saluer lorsqu'on s'en va, on dit. Arrivederci. Au revoir. Questo è informale. Arrivederci è informel entre deux amis, entre deux connaissances. Va bene? Arrivederci. Arrivederla. Arrivederla è formale. Arrivederla è formel entre deux inconnus. Ou un supérieur et moi. Ok? Arrivederla. Ci vediamo. Ci vediamo. On se voit. Ci vediamo domani. On se voit demain. A presto. A presto. A bientôt. A dopo. A dopo. A tout à l'heure. A dopo. A tout à l'heure. A domani. A domani. A demain. Buon pomeriggio. Lorsqu'on s'en va, on peut également dire buon pomeriggio. Bon après-midi. Buonasera. Quando si arriva, si può anche dire buonasera. E buonanotte, bonne nuit, lorsqu'on s'en va. Buonanotte. Bene, ragazzi. Buona giornata, quando si va via, bonne journée. Buona serata. Buona sera e buona serata. Bonne soirée. Buona giornata, bonne journée. Ok? Così si può salutare quando si arriva oppure quando si va via. On peut saluer de cette manière-là lorsqu'on arrive ou lorsqu'on s'en va. Ok? Bene. Adesso vediamo i periodi o momenti del giorno. Vi faccio una domanda. Je vous pose une question. Quanti periodi abbiamo in una giornata?
Combien de périodes ou de moments avons-nous dans une journée? Qui me peut dire? Si, vediamo insieme, voyons ensemble, le parti del giorno. Questa immagine ci mostra le parti del giorno. Cette image nous montre les différents moments qu'on trouve dans une journée. Il mattino, le matin. Il pomeriggio, l'après-midi. La sera, le soir. Et la notte, la nuit. Combien de moments avons-nous alors dans une journée, les amis? Bene, in una giornata abbiamo quattro momenti. Il mattino, il pomeriggio, la sera e la notte. Molto bene, ragazzi. In una giornata ci sono quattro periodi, vediamo, no? Il mattino, le matin, il pomeriggio, l'après-midi, la sera, le soir, e la notte, la nuit. Molto bene. Questi sono le parti del giorno. La mattina o il mattino, il pomeriggio, la sera e la notte. Avete visto, no? Adesso, ragazzi, vediamo. Il mattino sorge il sole. Le matin, il mattino, sorge il sole. Le soleil se lève le matin. È il primo momento della giornata, il mattino. Il secondo momento della giornata è il pomeriggio. Le deuxième moment de la journée, c'est l'après-midi. Il pomeriggio. Il terzo momento della giornata è la sera. Le troisième moment de la journée, c'est le soir. Lorsque le soleil se couche. Quando tramonta il sole. E per finire, il quarto momento della giornata è la notte. Le quatrième moment de la journée, c'est la nuit. Il mattino, il pomeriggio, la sera e la notte. Va bene? Ok. Adesso vediamo come si saluta nei diversi momenti del giorno. Maintenant, les amis, voyons ensemble comment saluer à ces différents moments de la journée. Il mattino. Quali saluti corrispondono al mattino? Come est-ce qu'on salue le matin? Buongiorno. Bonjour. Ciao. Salut. Buondì. Bonjour. Salve. Salut. Arrivederci. Oh, arrivederla. Le matin, lorsque je vais à l'école, je dis à maman, arrivederci. A presto. A dopo. A bientôt. A tout à l'heure. Buona giornata. Buona giornata. Il mattino. E nel pomeriggio, come si saluta? E dans l'après-midi, come est-ce qu'on salue? Buon pomeriggio. Buon après-midi. Buongiorno. Même dans l'après-midi, on peut également dire buongiorno, bonjour. Ciao, salut. Buondì, bonjour. Salve, salut. Ci vediamo. Quando si va via, on se voit. Ça s'utilise lorsqu'on s'en va. Ci vediamo. Arrivederci. Oh, arrivederla. Nel pomeriggio. Lorsque je rentre de l'école, je dis à mon ami, arrivederci, dans l'après-midi.
A presto, a dopo o a domani. Buona giornata. La sera, come si saluta la sera? Come est-ce qu'on salue le soir? Buonasera, bonsoir. Buona serata, bonne soirée. Quando si va via. Ciao, salut. Salve, salut. Ci vediamo. Arrivederci o arrivederla. Informale e formale. A presto, a dopo o a domani. Questo si usa la sera. E la notte? Come si saluta la notte? Come est-ce qu'on salue la nuit, dans la nuit? Buonanotte, bonne nuit. Buonanotte, mamma. Bonne nuit, maman. Ciao, salut. Salve, salut. Ci vediamo. Ci vediamo domani. Arrivederci o arrivederla. A presto, a dopo, a domani. Si può anche usare a presto, a dopo, a domani, la notte. On peut également utiliser a presto, a bientôt, a dopo, a tout à l'heure, a domani, a demain, dans la nuit. Ok? Bene, ragazzi. Adesso vediamo le formule di cortesia relative alle presentazioni. Maintenant, voyons ensemble les formules de politesse. Lorsqu'on rencontre quelqu'un pour la première fois, qu'est-ce qu'on dit? Leggiamo questo piccolo testo. Lisons ensemble ce petit dialogue. Sono Benata. E tu, come ti chiami? Piacere. Piacere. Mi chiamo Ada. Je suis Benata. Et toi, comment t'appelles-tu? Enchantée. Je m'appelle Ada. Molto piacere. Arriva già il professore. Ciao Ada. Très enchantée. Le professeur arrive déjà. Au revoir, Ada. Allora, quali sono le espressioni usate da Ada e Benata quando si incontrano per la prima volta? Allora, les amis, quelles sont les expressions ou les formules utilisées par Ada e Benata lorsqu'elles se rencontrent pour la toute première fois? Bene, le espressioni usate da Ada e Benata sono piacere, enchanté. Quando due persone si presentano oppure si incontrano per la prima volta, usano formule di cortesia. Lorsque deux personnes se présentent ou se rencontrent pour la toute première fois, elles utilisent des expressions de politesse. Piacere, enchanté. Molto piacere, très enchanté. Ok? Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerti. Enchanté de te connaître. Questo è informale, c'est informel, tra due amici, no? Entre deux amis. Piacere di conoscerti. Piacere di conoscerla. Piacere di conoscerla. Enchanté de vous connaître. Questo è formale. Ici, nous sommes dans une situation formelle. Enchanté de vous connaître. Entre deux inconnus ou un supérieur et moi. Ok?
Le formule di cortesia quando si incontra una persona per la prima volta sono piacere, molto piacere, piacere di conoscerti, informale, e piacere di conoscerla, formale. Ok? Bene, ragazzi. Abbiamo notato bene, no? Piacere di conoscerti. Ti significa che si dà del tu alla persona. Le te s'emploie pour tutoyer la personne qui est en face de moi. Entre deux, avec mon ami, on se tutoie. Enchanté de te connaître. Piacere di conoscerla. La significa che si dà de lei alla persona. Le vous, la, s'emploie pour vous voyez la personne qui est en face de moi. Piacere di conoscerla, professore. Va bene? Ok. Facciamo questo piccolo esercizio. Faisons maintenant ce petit exercice. La mattina, David incontra Lea. Completa questo piccolo dialogo con i saluti convenevoli. Le matin, David rencontre Léa. Complète ce dialogue avec les salutations qui correspondent. La mattina, David incontra Léa. Cosa dirà David? Bene. La mattina, David dice, le matin, David dirà. Buongiorno. Oh, ciao. Oh, salve. Oh, buondì. Le matin, David dirà buongiorno ou ciao, salut, ou salve, ou buondì, bonjour. Léa risponde buongiorno, oh ciao, oh salve, oh buondì. Mi chiamo Lea. Piacere. Ciao. Arrivederci. Ci vediamo. A presto. A dopo. Per prendere congedo. E David risponde ciao. Arrivederci. Ok? Abbiamo un secondo esercizio. Un deuxième esercizio. La sera, José incontra il professore. Completa il dialogo con i saluti convenienti e le formule di cortesia. Le soir, José rencontre le professeur. Complète le dialogue avec les salutations qui conviennent et les formules de politesse. Sì, vediamo insieme. José dice, buonasera professore, sono José e lei come si chiama? Ciao signor Carlo, piacere di conoscerla. Al professore, piacere di conoscerla. Molto piacere, très enchanté. Arrivederla, professore. Arrivederci. Va bene? Molto bene, ragazzi. Adesso vi lascio con questo compito. Maintenant, je vous laisse avec ce devoir à faire à la maison. Come saluti nelle seguenti situazioni? Rispondi come nell'esempio. Comment salues-tu dans ces différentes situations? Réponds comme dans l'exemple. Esempio. Exemple. Incontri il direttore la mattina. Tu rencontres le directeur le matin. Come saluti? Comment est-ce que tu salues? Buongiorno, direttore.
Buongiorno, direttore, la mattina. Bonjour, monsieur le directeur. Ok? Quindi, a casa, completate queste frasi. À la maison, complétez ces phrases comme dans l'exemple. Et correggiamo à la prossima sessione. Et ensemble, nous allons corriger à la prochaine séance. Ok? Per la prossima volta, pour la prochaine fois, faremo una lezione di ortografia e fonologia sull'alfabeto italiano e la pronuncia delle vocali. À la prochaine séance, les amis, nous allons voir une leçon d'orthographe, nous allons faire une leçon d'orthographe sur l'alphabet italien et la prononciation des voyelles en italien. Ok? Ci vediamo! On a tege si, ma tege yop. On a tege minga, ma tege nyom. On a tege ma jang, ma tege ndom. Mane tambia ninya ne injo biayen. Ngani bana, ma tege mot. Ngani la kiri, wa tege ndong. Esa kina, bia dinkido. Mane tambia ninya ne injo biayen. Tam tama mote, tam zabike. Tam tama tonge tam zabike tam tam tama mote tam zabike mane tambia ninyane injo biayen.